promu niçois est 19e et doit absolument engranger le plus de points possible à domicile pour espérer se maintenir. Chers internautes, on vous promet un match avec beaucoup d'occasions, des poteaux, des arrêts de gardien. Et ça commence avec ce coup franc de Vincent Graniche, juste au-dessus du but de Jeannot. Quelques minutes plus tard, la tête de Selou Koné, l'attaquant niçois, passe elle aussi à côté du but de Jeannot. Énorme occasion, Mancel également avec Jean-Eudes Maurice. Pluie d'occasion à Nîmes et cette frappe de Vincent Graniche au-dessus du but de Jeannot. Et sur ce coup-ci, l'ancien Stéphanois ne peut rien sur la frappe de Seydou Koné qui était le meilleur buteur du National la saison dernière. Il récidive en Ligue 2. 1-0 pour les Nîmois. La colère de Jérémy Jeannot. Vite rétabli, quelques minutes plus tard, 40e minute plus précisément, c'est Olivier Demer qui se jette de manière insolite pour mettre le ballon au fond des filets. Il profite de l'erreur de Parpeix. Poulain ne peut rien derrière. Égalisation des Manceaux. Ça fait donc un partout au Costière. L'erreur ensuite fatale de Bouaillon. La passe au Nîmois. Et c'est Seydou Koné, son doublé, son premier doublé cette saison en Ligue 2. Ça méritait bien une pirouette. Il donne l'avantage au Nîmois. Jérémy Jeannot est battu. Ça fait donc 2-1 pour les sudistes. Et les gardois vont l'échapper belle avec un dernier poteau juste avant le coup de sifflet final. Score final justement, 2-1 pour les gardois.